dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Il supporte pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Je l'aurais pas demandé. Il n'y a pas un guide du Wendigo? Pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Rigole pas trop quand même, Chris. Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Bon, est-ce qu'ils l'ont attrapé ou pas l'autre? Je pense pas, hein. Si ces choses, les Wendigo, sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité? Ah ben si, il est parti. Ils se souviennent de certaines choses. Ah, il s'est barré tout seul. Oh non. Il s'est barré tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense pas qu'il s'est fait bouffer. Chut, silence. Ah. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Ouais, ouais, il ouais. Est sûrement pas loin. Fais gaffe. Il va nous sauter dessus, à mon avis. Attends, t'es parti tout seul là. Excuse-moi, je. Voilà, je suis là, c'est bon. Un peu de. Purée. What? La vache! C'est la guerre mondiale là! Il faut se tirer d'ici! On est dans la merde là, ouais! Quoi? Ah, je suis mort quoi, il. Quoi? Oh putain! Il a dégommé le pote! Avec Chris, si tu t'en sors, t'es le boss, hein! Ah, y a des bidons d'essence sur les côtés en rouge apparemment pour les cramer. Ok, ça c'est le truc pour s'en sortir. Ouais. Oh bon sang, qu'est-ce qui se passe? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi. What? Oh, non. Oh le Wendigo, c'est terrible comme créature. Ils vont bouffer le corps du pote là. Ah si, y a Josh aussi hein. Oh la vache. Et le jeu l'a totalement vrillé en fait là. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Truc de ouf. C'est pas terrible là-haut maintenant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flammes? Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est fait d'aide. Le déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour mais le téléphone. Mais pourquoi il flippe, là, d'un seul coup, lui? Josh, il doit l'avoir. Josh? Non, mais Josh, encore il est... C'est ça le tour. C'est fait attraper, Josh. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte. Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh, bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Ouais, il était haut. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. Putain, psychiatrique. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. Mais c'est rien, c'est... Ah, non, ça m'a mordu et... Juste mordu? Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily! Tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. C'est chaud. Oh non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs? Alors que tu sais très bien qu'un Wendigo dehors pourrait me déchiqueter comme il a fait, hein. Putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow! Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M! Pitié! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là! Non. Avec nous! Non! Arrête, fais pas ça! Je suis désolé. Non, on va pas tirer, bah non. On tira que si elle devient folle, hein. Merde, j'y arrive pas. Ça, c'était le truc qu'on a vu dans le papillon de la chance, il me semble, hein. Pour l'instant. Merde. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit. Je peux pas. Vous savez quoi faire. Je peux pas lui tirer dessus après tout ce qu'elle a fait en plus pour s'en sortir. Et puis. Compris. Voilà. C'est dangereux dehors. Faut surveiller si elle a des symptômes. On va pas tuer quelqu'un comme ça quand même.
Et lui, il se barre tout le temps, il est chiant. C'est stressant, hein, c'est devenu très stressant. On part du... d'une bande de potes à la montagne, et ça dégénère complètement. Grosse histoire. Hein. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes ? Maintenant, on est foutu. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Alors, journal cannibalisme. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Je suis le seul. Je peux pas lire tranquillement ? Ok, merci. Je suis le seul qui soit parvenu à les regarder sous contrôle. À les garder, pardon, sous contrôle. Tenez compte de ces mots ou vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigo doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne, dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien à manger depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords, souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui, dévora la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de chair inextinguible. Putain, je connais même pas ce mot. Inextinguible. Inextinguible. Guible, ouais. Je connais pas. Puis le changement commence. Les yeux deviennent blancs et laiteux, puis les dents poussent comme des crocs. La créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Les Cree. Leur chaman raconte un sacré passif dans tout ça. Merci. Leur chaman raconte l'histoire d'une immense créature, née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les Cree. Et les animaux également. Les Cree croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent. Ils trouvèrent du fer et plus tard, des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les Cree disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Ok, attention quand même. Les yeux du Wendigo changent, ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements, c'est un chasseur comme un aigle, mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigo sont dures, comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur, ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué 6 Wendigo. Les couteaux ou les balles sont inefficaces contre eux. Utilisez un lance-flamme, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres humains provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Ah, ils vont parler de la morsure. Ça dit rien ? Ok. Il existe quelques défenses. Les chamans parlent de rituels. J'ai trouvé des artefacts des locaux sur les montagnes, sur la montagne, et les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts, je les ai testés. En dehors de la montagne, dehors sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les Wendigo, pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Ok. Les légendes Cree affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant.
mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen de manger la chair de quelqu'un d'autre... Oui, le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. C'est bien ce que j'ai compris au départ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ouf, Bombé. Bon choix. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Rassurer M, ça va aller, dissimuler juste un truc de fou ici. Bah on va rassurer, tout le monde sera plus cool. Ça dit que... Les morsures... Si ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là? M, ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi? Tu vas t'en sortir. M'en sortir? Mike a failli me tirer dessus, putain! Il n'a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire! Hey, c'est pas vrai! Elle avait peur! C'est moi qui devrais avoir... Je suis désolée, Emily. Je savais pas ce qui allait se passer. Personne savait. Il n'y a pas d'excuse pour ce que t'as fait. Je t'en prie, essaie de comprendre. Tu vas comprendre, ma main dans ta gueule, oui! What? D'accord, ok, un partout. Partout, la balle au centre. Je suis tellement désolée. Merde. Merde. T'as pas tout lu? On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Ah. Et qu'est-ce qu'elle a lu, elle, de plus que moi? T'as cette taloche que lui a mis. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Ah, c'est dans ce petit jeu à tourner au drame. C'est dans la tête de Josh. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude? Hein? Pourquoi leur faire du mal? Joshua, pourquoi leur faire du mal? Ils m'ont fait du mal. Bah oui, ils ont... Pour lui... Ils ne vous ont pas fait de mal. Voilà. Intentionnellement. Mais oui, mais pour lui, c'est... Une erreur stupide. C'est lui faire du mal. Ont connu un sort tragique. Il a perdu ses sœurs. Ce qu'il voulait. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords, du moins jusqu'à votre nuit de pure torture. Rien qu'un jeu? Eh ben, comme elles ont fait. Mais c'est un jeu qui vous a confronté à l'une de vos plus grandes phobies, Joshua. C'est ton... L'obscurité. Le noir. Donc nous sommes Joshua depuis le début. Oh putain les gars, qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti, c'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, il... Stop, ne bouge plus. Putain de merde, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça? Elle l'a probablement emmené dans la mine. M, c'est quoi? Hein? Ici, c'est notre abri, M! Putain! Merde, j'y arrive pas. Oh, putain. Tu as fait le bon choix. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Ok, 9 karma. Chapitre 9 karma, 2 heures jusqu'à l'heure. Il doit avoir 10 chapitres.
Une heure et... non, peut-être 11. Pas. Ok, allez, enferme. Je sais pas pourquoi le mec il veut se barrer tout seul, 5h03 du matin. Je peux pas y aller là? La caméra veut pas y aller? Si je me tourne. Ah non, la caméra tourne pas. Hein. Ok, ok. Allez, allez! Mike! Putain. Je perds un peu les trucs avec Mike. Qu'est-ce qu'il y a là? Y'a rien? Où est-ce qu'il est là? Il a repris le tunnel dans l'autre sens? Ouais, ok. Je vois où on est. Qu'est-ce qu'il veut faire? Traverser le sanatorium pour trouver Josh et la clé du téléphérique. Traverser le sanatorium, mais... C'était lui qui vivait là en fait avec les chiens le gars. Où sont passés les loups? Ouais. Je peux... non, faut que je monte. Allez Mike. Une fourche et une foule en colère. Ok. Il va prendre le fusil à canoncier ou pas là? Quand même, il y a des... Prends plus de cartouches, mec. Hein. T'as plein de poches. Oui, on va prendre. Pistolet. Ouais, c'est un fusil à canoncier. Ça ira. Ça devrait dégommer. Ça devrait dégommer. On va gommer les Wendigo. Bon, on peut passer que par là, apparemment. Allons-y. Du coup, je vais pas repasser par là. Faut que je traverse le sanatorium. Mais... il y avait quoi déjà là-dedans? Ah oui, un cigare. C'est vrai, on l'avait vu. Je sais pas vraiment où est-ce qu'il faut que j'aille. Est-ce que je dois revenir à l'envers? Pourquoi c'est allumé là? Les phares étaient pas allumés tout à l'heure là. Si? On va aller en face voir.
porte s'est fermée. Là, il y a une porte. On va être là. Ouais. Ça va faire des trous, ça. Alors. Oui, on a été potes. Content de nous revoir. On a été potes. Hey. Pourrait m'aider. Pourrait m'aider lui. C'est bien. Bien le toutou, bon toutou ça. Hey, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. L'homme ou loup. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers les psychiatriques qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. Allez, on est parti. C'est le goulag. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Ok. Voyons voir. Génial. Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand. Ok, c'est bon, on descend. Est-ce qu'il y a des trucs... Ah, c'est tendu quand même. Hein. On sent que l'ambiance... Voilà. Au niveau de la confiance, on n'est pas serein là. Un truc peut surgir à chaque instant. Gauche ou droite? Je pense qu'il est parti à droite. Est-ce que je peux trouver des trucs là-dedans? Eh oui. Blackwood Sanatorium. Médecin déclarant, docteur. Pas sûr qu'il était mis en premier, c'est je pense. Ouais, c'est ce qui. C'est ce qu'on a vu un peu la dernière fois sur les comptes rendus, sur les. Sur les passions, sur les mineurs. Ok, y a rien d'autre. J'arrive, mon tutu. What? Oh non. Oh, c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. Oh, la saloperie. Oh là 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 là. Comment on peut faire ça, quoi? Le gars l'a démonté, l'a foutu là-dessus. Oh là 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 là. Oh putain. Mon dieu. Bon allez, on peut passer à autre chose. J'arrive toutou. Attends, il faut que j'aille en plus regarder ce que c'est. Mais on le sait ce que c'est. Vache. C'est vraiment dégueulasse. Il l'a démonté. Allez, vas-y, on va gerber, je crois. Ah, il s'est barré de là. Ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point? Attends, Toto, j'arrive. Je vais juste regarder s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Laissez-nous sortir, nous mourons de faim, de froid. Vous me le paierez, arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Des tests?
surtout il galope, hein. Attends-moi, Roblin. Oh, il y a un monstre à côté, je l'ai vu monter. Je l'ai vu grimper. Putain, j'ai des frissons, ça y est. Faut tenir. Faut tenir bon. Oh, il est pas content là, attends. Toutou. Toutou. Ah. Jeter un film. Sur les expériences. Infirmière. Les patients. Lolo. Ils avaient pas l'air bien, ouais. Se libère. Ah d'accord, ok. Transformation. Elle va se faire bouffer. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Bon. Mais moi j'ai des frissons, tu vois. Mais j'allume pas la lumière, toujours pas. Il faut tenir. J'aurais dû mettre un manche longue. Ok, on a un établi. Non, c'est un bureau. La clé, la clé, la clé. Oh. Attends, attends. C'est un dossier. Vas-y, vas-y. Blackwood, sanatorium confidentiel. Examen, patient. Ok. Progression de l'hyperostose squelettique. Toujours 4 dépigmentation épidermique attendue après le temps passé sous terre. Déviation sévère de la région thoracique. Cornée. Oh, ah ouais, totalement. 5 jours plus tard, ça devient un zombie, hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est incroyable. Bon. Y'a rien d'autre là? Attends, attends. C'est quoi ça? On voit quelque chose pourtant. Une salle secrète. Avec un patient mort déjà. Cadavre. T'es sûr que je dois aller là-dedans? C'était le directeur. Désolé mon gars. À qui de droit? Je suis en train de mourir dehors. Je les entends crier et pleurer. Cet enfer est mon seul héritage. La punition de Dieu pour mes erreurs. Impossible d'échapper à mon destin, la mort m'attend maintenant. Jefferson Bragg. Waouh, il a une sacrée tête, hein. Tenez, monsieur, je vous le rends. Ok. On sait pas qui c'est, mais je pense que ça doit être le directeur ou celui qui a œuvré pour faire les tests sur ces. Sur ces patients-là. Non, 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 non. Voilà. Déjà, on voit plus le chien, on l'entend plus. J'espère qu'il lui est pas arrivé malheur. Toutou. Mais attends, j'ai rebroussé chemin, là. Je viens de là. Je viens de... En fait, fallait aller au bout. Ok. Je viens de là.
C'est bon, je sais que je viens de là. Putain, mais c'est pas possible. Diriger, c'est pas toujours très simple. Ok, mon toto était là. Bah, j'ai bien exploré du coup en fait. Ça m'a permis de trouver des choses. Oh là là, putain, ça me fait des frissons. Ouh. Ah, ces créatures là. Ah, je croyais qu'il fallait tirer, moi, c'est un rat. Oh, j'ai rien compris, mais à chaque fois, je me fais avoir, moi. Ouah, et puis ils sont rapides, vifs comme l'éclair, hein. Ouais, ouais, droit devant, vas-y. T'emmerdes pas. Et le toutou, il est où? Ouah, cette tête de malade. Bon, ça leur fait rien, quoi. Ça fait juste gagner du temps, quoi. Si je pouvais trouver un réservoir, là. Putain, faut que je pense que des fois, il n'y a pas d'action à faire, quoi. Ah! Putain! Ah. Mais non, non, je suis... en train de rêver, merde. J'ai un doigt en moins, le pauvre. Il est là. Merde, 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 merde. Ouais, y'a un trou quoi. Fais gaffe! Putain. Ok, tout est là. Oh, il m'a épuisé. Là. Où t'es? Quoi? Putain. Mais... quoi? Attention. Ah oui, les gars, c'est connu quoi. Mais ça va jamais s'arrêter. J'y crois pas.
Elle lui tire pas tout le temps dessus, peut-être. Peut-être que ça a rien que je lui tire à travers la grille, quoi. Hop là. Un par un, les gars. Il y en aura pour tout le monde. Je vais me retrouver 100 balles, à mon avis, à tirer sur tout le monde. Je pense que c'est peut-être des erreurs. Hein. Je sais pas, donc je préfère tirer. Waouh! Heureusement qu'il était enchaîné celui-là. Bon, je pense que les balles sont illimitées apparemment. Oh non! Oh, j'avais mis un coup de carré pourtant! Merde! Ouf! Ouais, il faut y aller là. Il faut y aller, mon pote. Ah! Ah! Ça craint. Ah oui. Fais le rouler. Et bon barbecue, les amis! On a vu l'âme. Ok. Oh, je suis fatigué là. Oh, mon Dieu.